sommes heureux de vous accueillir pour cette 24e université d'automne de la Ligue des droits de l'homme. Ce rendez-vous est chaque année l'occasion de nous interroger sur un champ de nos luttes et de nos combats, en l'approfondissant, en le redécouvrant, dans un échange entre ligueurs et experts de la question. Après la santé l'année dernière, le choix du thème de cette année, sans être totalement naturel, s'est néanmoins rapidement imposé. Les 120 ans de la Ligue, les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et des interrogations qui se posent sur cet universalisme qui sous-tend tant la Ligue que la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a dit, à l'origine de la création de la LDH, il y a l'affaire Dreyfus et la défense d'un homme au nom d'une certaine idée de la justice, de l'égalité et de l'universalisme des droits. Et au cœur des combats passés et présents de la LDH, l'universalisme et l'indivisibilité des droits est l'axe autour duquel se structure le corpus des droits de l'homme. Donc en cette année anniversaire des 120 ans, à l'heure où cet universalisme est interpellé et relativisé, notre université d'automne engage une réflexion critique et offensive autour de ces enjeux. Universalisme, universalité, universel, au singulier comme au pluriel. Et les questions se bousculent. Il y a des termes qui nous semblent si naturels que nous en oublions d'en reposer la définition et d'en interroger le sens. C'est vrai de l'universel, que contient-il, et de l'université, qui est le caractère de ce qui est universel, qui pourrait embrasser une conception intangible dans le temps et dans l'espace, et l'universalisme, qui est le déploiement de cette conception. Le monde de 1898, celui de 1948, sans pour autant être éloigné de notre monde, n'est plus celui d'aujourd'hui et de demain. L'universel, jusqu'en 1944, exclut la moitié de la composante du suffrage dit universel. Le pluralisme, la singularité n'ont que peu de place dans cet universel. D'où la nécessité d'une approche critique sur les errements d'un certain universalisme et des combats d'émancipation des individus dans la reconnaissance de leurs droits, universels qui perdurent et que nous accompagnons. Il y a aussi le monde qui vient, et la boussole de l'universel que nous devons nous réapproprier pour répondre à certains défis contemporains qui posent la survie même de l'humanité. Notre université d'automne 2018 propose ainsi une montée en puissance du questionnement en partant dès ce matin d'une mise en perspective contextuelle et historique. Elle se penchera sur les rapports conflictuels entre une vision émancipatrice et des pratiques de domination. Elle mettra en débat les moyens d'une réappropriation de l'universel, un universel pluriel, différencié, dans les combats contemporains pour les droits. Ce matin, nos deux intervenants que je vais introduire juste après ce propos introductif, François Julien et Daniel Lochac, vont s'interroger et vont nous interroger sur le contenu de cet universel, cet universalisme. Au fond, qu'est-ce que l'universel, qu'est-ce que l'universalisme ? Existe-t-il ? Et s'il existe, qu'est-il et que n'est-il pas ? Cet après-midi, pour se réapproprier l'universalisme, l'universel, encore faut-il en faire le procès des dérives et des fautes commises au nom d'un prétendu universalisme. Colonisation, racisme, patriarcat sont quelques-uns des phénomènes qui ont pu avoir cours drapés d'un prétendu universalisme. Solder le passé, c'est important. Voir comment les acteurs se réapproprient l'universel pour permettre l'émancipation et la lutte, c'est aussi ce que nous apporterons nos intervenants. Demain, c'est le monde qui vient que nous évoquerons. Un monde qui vient pourtant bien présent et réel. Et comment la communauté humaine peut et doit répondre aux ruptures technologiques en cours et aux atteintes à l'environnement et au climat sans mettre en péril cet universel. Fort de toutes ces réflexions, approches, échanges, il sera alors temps de poser une définition de cet universel riche de ses couleurs, pluralité, en posant ce qui n'est pas négociable. Mais une boussole ne sert à rien, sauf à indiquer une direction, si elle ne s'accompagne pas d'une carte pour emprunter les voies et moyens pour parvenir à son but. Bonne université d'automne, riche de réflexions, d'échanges, et qu'elle soit l'occasion de réaffirmer en ces 120 ans de la LDH la fierté de participer à l'émancipation des individus dans leur singularité par le biais de l'universel. Merci. Eh bien, nous allons attaquer tout de suite cette première demi-journée avec deux intervenants de qualité, François Julien, philosophe, helléniste et sinologue,
Daniel Lochak, professeur émérite de droit public, qui vont finalement dresser le tableau, nous remettre un peu les pendules à l'heure sur ce qu'est ou ce que n'est pas l'universel, nous proposer leur définition, leur réflexion, ce qui nous permettra ensuite d'avoir les outils et les fondations pour pouvoir affronter les autres demi-journées qui nous attendent. Donc je ne vais pas monopoliser plus la parole et je vais demander à François-Julien, s'il veut bien, de pouvoir commencer son propos. Merci. Bonjour, merci de votre invitation. Je crois que si l'on veut débattre de l'universel, il faut d'abord s'entendre sur la conception possible de cet universel, donc décaper un peu la notion. Et c'est ce que je vais essayer de faire ce matin, en constatant d'abord ce qui est l'ambiguïté même de la notion d'universel. Universel a deux sens, un sens faible et un sens fort. Le sens faible, c'est de constat, de généralité. Ça a toujours été ainsi. Le sens fort, c'est un sens non pas de constat, de généralité, mais de nécessité, au sens de « cela ne peut pas être autrement ». Donc deux sens, donc une ambiguïté de la notion, et le constat de ce que c'est de ce sens fort de nécessité, de prescription, qui nous vient des mathématiques, qui nous vient de la logique, que je dirais l'Occident a tiré sa puissance, puisqu'il a transféré ce sens fort issu de la logique et des mathématiques, de nécessité, de prescription, donc d'a priori, opposé à l'empirique, eh bien, du domaine de la science à celui des mathématiques à la physique, de la physique à la technique, bref, c'est ce qui a fait la puissance de l'Occident par l'invention d'une nouvelle science, la science physique galiléenne, newtonienne, celle qui aboutit aux lois universelles de la nature. Vous me suivez comme ça ? Parce que je vais être amené à faire d'abord des précisions philosophiques pour essayer de nettoyer ce concept d'universel et essayer de lui donner une rigueur qui puisse servir ensuite dans vos débats. Donc, sens faible et sens fort, sens faible de généralité, ça a toujours été ainsi, donc de l'ordre de l'expérience, et sens fort de nécessité, de prescription, proprement rationnelle, qui nous vient de la logique, et qui, de la logique, des mathématiques, se transfère à la physique, avec cette question qui en résulte, et qui est la grande question qui traverse la pensée kantienne, qui est, est-ce que cet universel de nécessité, a priori, en amont de toute expérience, peut se transférer du domaine de la science à celui de l'humain ? Peut-il devenir un concept éthique ? Vous savez que Kant a choisi de dire oui à ce passage d'universel logique à l'universel éthique, quand il pense les maximes universelles, l'impératif catégorique, etc. Mais vous savez aussi toute la révolte qui était celle du XIXe siècle, à travers Nietzsche, à travers Kierkegaard, pour revendiquer le droit de l'individu à ne pas se laisser comme ça recouvrir sous cette chape de l'universel. En tout cas, retenons que le terme donc est travaillé par deux dimensions en contradiction, universel de généralité, de constat, ou universel de nécessité, de principe. Alors quand on dit exposition universelle, de quel sens s'agit-il ? Et quand on dit « droit de l'homme universel », de quel sens s'agit-il ? D'un sens de prescription, de nécessité ? Alors, au nom de quoi ? Ou d'un sens de généralité, j'allais dire de banalité, mais dont on constate bien que cette banalité, cette généralité, est si souvent entravée ou, disons, contestée. Donc, ambiguïté du terme, il faut commencer par le préciser. Le préciser du dedans, entre ces deux universels faibles ou forts, de généralité ou de nécessité, et aussi du dehors. De dehors, pour distinguer l'universel de termes qui sont connexes ou qu'on rapproche de lui, et je dirais d'abord l'uniforme et le commun. On pourrait croire l'uniforme l'accomplissement de l'universel, sa réalisation. Mais il me semble, au contraire, que l'uniforme est la perversion de l'universel. Dans les deux mots, vous avez le même « un » de référence, uniforme, universel.
Dans l'universel, c'est tourné vers l'un, universus. Dans l'uniforme, c'est fait sur l'un, formaté sur l'un, standard, stéréotype. Universel est un concept de la raison, uniforme est un concept de la production. Il ne relève pas d'une nécessité, mais d'une commodité, parce que c'est plus commode de faire sur la même forme, façon standard ou stéréotype. Alors, je crois que la question se pose aujourd'hui parce que dans un monde de globalisation, dès lors que l'uniforme se répand partout, qu'on trouve les mêmes choses ici et à l'autre bout du monde, on peut avoir tendance à prendre pour de l'universel, donc à créditer d'une légitimité de principe ce qui n'est que de l'uniforme. Mais la difficulté, c'est qu'on peut prendre l'uniforme pour de l'universel. Donc, légitimer l'uniforme, qui est le standard, le stéréotype, ce qui est fait sur la même forme, pour de l'universel, légitimer en principe au nom d'une nécessité. Donc, je crois que ça, c'est la première distinction à faire pour essayer d'entrer plus précisément dans ce débat. C'est donc de distinguer l'uniforme de l'universel et de constater qu'à notre époque où l'uniforme se répand partout, par le fait de la mondialisation, donc, à cette époque où l'uniforme sature le paysage de bout en bout de la planète, on trouve les mêmes choses comme ça. Harry Potter se trouve partout, dans toutes les langues, traduit comme ça, empilé sur les tables des libraires ici et là-bas. Eh bien, on est tenté de prendre pour de l'universel ce qui n'est que de l'uniforme, ne relevant que d'une commodité du marché et non pas d'une nécessité logique. Et puis le commun. Le commun, c'est le partage, avoir en commun. C'est comme ça que les Grecs ont conçu le politique, à partir du principe du partage, la maison, entre l'homme et la femme, puis la famille, la maison, et puis la cité. Donc, des partages comme ça qui sont extensibles, à horizon comme ça qui se déploient. Avec un commun qui est donné, la famille, la nation, nation c'est naître, n'est-ce pas? Et un commun qui est choisi, d'engagement, s'engager dans un parti. Commun du partage, mais lui, qui lui est aussi est ambigu. Parce que le commun donc dessine un horizon du partage. Mais cet horizon du partage peut se retourner en frontière d'exclusion des autres qui ne participent pas à ce partage. Donc le commun est aussi une notion ambiguë parce qu'il dessine donc un horizon du partage, donc est inclusif. Mais dans la mesure où cet horizon du partage peut se retourner en frontière d'exclusion de ceux qui ne sont pas de ce partage, le terme peut devenir exclusif. Oui, quand la limite d'inclusion se retourne en frontière d'exclusion, c'est le communautarisme. Donc ces trois termes sont donc ambigus. Et je crois qu'il faut d'abord être sensible à cette ambiguïté pour commencer à pouvoir opérer avec eux. Et pour ce qui est de l'universel, on va constater d'abord ceci, c'est que c'est le fait de notre génération, que de constater enfin que l'universel, dès lors qu'on sort de l'espace européen, la culture européenne, se révèle tout autre qu'universel, se révèle une chose singulière, puisque c'est une culture, l'européenne, qui a promu cette exigence d'universel. Donc l'universel se révèle en contradiction avec ce qui est sa vocation, puisqu'elle se révèle singulier, c'est-à-dire la pensée, la conquête intellectuelle majoritaire d'une culture, l'européenne, mais qui ne se rencontre pas nécessairement ailleurs. Et d'autre part, si on regarde, non pas d'un point de vue externe, mais interne, l'avènement de la notion universelle, on se rend compte que cette notion est faite d'une histoire très chaotique, en tout cas composite, est-ce même une histoire d'ailleurs, donc de plans divers dont il faut considérer l'hétérogène. Il n'y a pas une histoire universelle en Europe. Il y a des plans divers qui se sont comme ça plus ou moins imbriqués ou recouverts l'un l'autre et qui ont abouti à cette sorte de clé de voûte de l'universel. Je vais en relever trois pour aller vite. Premier départ de l'universel, c'est les Grecs. C'est le concept, c'est la philosophie. Les Grecs ont commencé à penser
ce qui pouvait être le tout du monde. Tout du monde. Mettre la main sur le tout, to'olon. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est l'infini? L'indéfini, to'apeiron, bref, de Thalès à Anaximandre. Question du maître du tout. Quel serait le tout premier? Et puis devant l'impossibilité de définir ce tout, et puis devant la rivalité, l'opposition dans la conception de ce tout, se produit un grand tournant de la pensée grecque, qu'on attribue ordinairement à Socrate, en tout cas dans la version d'Aristote, qui est non pas penser le tout, prétendant mettre la main sur toutes les choses, to'olon, mais penser selon le tout. Selon le tout. Kat'olou, le kat'olou dont on a tiré catholique, n'est-ce pas ? Kat'olou, selon le tout, donc conceptuellement. Là, c'est le grand tournant de la pensée grecque. Par exemple, les différentes formes de courage, à ce qu'est le courage en soi, en tant qu'unité de l'idée du courage. Kata mian idean, comme dit Platon. Donc là, il y a cette opération majeure de la pensée grecque, qui est la voie d'entrée dans la philosophie, penser selon le tout ou conceptuellement. C'est là que l'universel trouve sa base logique. Avec en même temps cette inquiétude des Grecs, c'est que passant à l'abstraction, passant à ce selon le tout du concept, est-ce qu'ils n'ont pas perdu l'existence ? L'existence qui, elle, est singulière. Et cette... parce qu'on sait bien que finalement, ce qui existe concrètement, c'est l'individu, c'est le singulier, et qui serait peut-être donc perdu par cette abstraction du selon le tout de l'universel. C'est ce qui a retenu la formule classique au Moyen-Âge, existentia est singularium, l'existence est faite des singuliers, scientia est de universalibus. La science porte sur les universels. Donc il y aurait une sorte de divorce entre la science qui porte sur les universels, mais l'existence qui est faite des singuliers. Je crois que de cette coupure-là, de cette tension-là, nous ne sommes pas sortis, et qu'au fond, la culture européenne est travaillée par cette tension, d'une part, concevant la connaissance à partir de l'exigence d'un universel, la science est faite, porte sur les universels, et puis l'existence, l'expérience, qui est faite des singuliers. Et cette sorte de divorce, c'est ce que vous trouvez la culture européenne, entre la philosophie qui parle des universels et puis la littérature qui s'occupe des singuliers. Donc il y a cette première strate au concept universel, qui est celle de la philosophie, la promotion du concept qui, comme on dit, subsume, recouvre, n'est-ce pas, la diversité de l'expérience. Mais il y en a une autre, qui n'est pas de Grèce, qui est de Rome, qui est celle du droit. Et à Rome, la citoyenneté universelle. Alors c'est important parce que Rome, au fond, c'est une expérience essentielle à penser. Et aujourd'hui, parce que Rome, c'est la première mondialisation, avec des populations diverses, des langues diverses, un grand espace à gérer, et l'idée que ça, c'est le monde, n'est-ce pas ? Puisque au-delà de cet espace, au-delà du limès, on ne sait plus ce que c'est. Et donc, Rome est une première époque où commence à se rencontrer l'exigence universelle et la pensée du commun. Et cela à travers le mode de citoyenneté romaine, qui est une citoyenneté à la fois locale, j'habite ici, dans cette petite ville, et puis mondiale. Mondiale, c'est-à-dire c'est la citoyenneté d'être citoyen romain. Avec ce grand couplage que vous connaissez, urbs et orbis. Quant à Rome, on dit « urbi et orbi », à la ville et au monde, il y a cette double dimension du local et du global, « urbs, orbis ». Et donc une citoyenneté qui est à la fois locale d'ici, de ce coin-ci du monde, et puis mondiale, puisque avec l'édit de Caracalla en 212, eh bien la citoyenneté romaine est attribuée à tous les habitants de l'Empire. Donc là, vous avez une première jonction entre un universel de principes, citoyenneté définie de façon juridique, donc selon le nécessaire, avec un espace qui est cet espace immense, espace qui est l'espace politique, n'est-ce pas, de cette époque, l'Empire romain. Donc là, c'est un universel par le droit. Premier universel, donc, par la philosophie, le concept,
Second universel, par le droit, la citoyenneté romaine comme civitas maxima, civitas universa, citoyenneté universelle. Et puis il y a un troisième universel dans notre tradition européenne qui est celui de la foi, celui de, apporté par le christianisme, la pensée du salut. Universel du salut qui se conçoit en renversement de l'universel, disons, civique des Romains. Vous savez, cette opposition qui est dramatisée dans Paul, et qui est donc un nouvel universel, non pas de la loi, mais de l'amour, un universel qui se constitue du fait que toutes les différences sont neutralisées au profit d'une seule exigence projetée comme universelle. Universelle, là encore, de principe, de nécessité. La grande phrase de Paul, n'est-ce pas ? Ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. On neutralise, on retire toutes les différences pour ne promouvoir qu'un statut universel d'enfant de Dieu. C'est un universel qui est, alors c'est Paul, bien sûr, qui a, je peux dire, créé le christianisme, puisque, au fond, d'abord, cet universel est prononcé et propagé en grec, alors que le Christ ne savait pas le grec. Le Christ parle une langue sémitique, l'araméen, il doit savoir qu'il y a du grec, mais il ne sait pas le grec. Donc, le christianisme est cette religion étrange où un certain message de salut est conçu dans une certaine langue, sémitique, mais s'est trouvé répandu dans une autre langue qui n'est pas n'importe quelle langue, qui est le grec, qui est la langue de la philosophie. Donc vous avez cette situation étrange, donc d'un message qui s'est répandu, pensé et répandu dans une autre langue qui est la langue porteuse universelle, le grec de la philosophie. Et bien cette idée donc qu'il y a là encore un universel de principe, puisque Dieu n'est pas plus le Dieu d'un des uns que des autres. C'est pas là la rupture avec le judaïsme. Dieu n'est pas plus le Dieu des uns que des autres. L'événement de la résurrection est un événement qui coupe le cours du temps. Donc il y a un statut humain qui va du début du monde à la fin du monde, cette position, cette possibilité du salut, comme sous le statut donc, d'enfant de Dieu. Et cette affaire d'un universel, comme ça, de principe, de salut, vous savez que, donc conduisant l'histoire, c'est ça qui est nouveau, conduisant l'histoire, ben le christianisme va le penser dans cette articulation entre justement les deux termes opposés, l'universel et le singulier. Et le Christ, dans la conception de Paul, est cette première figure d'un universel de principe, de nécessité, traversant le cours des temps, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, mais incarné dans un individu singulier, qui est à la fois totalement homme, totalement Dieu, donc totalement Dieu portant ce projet d'universel transcendant toute histoire et incarné dans un sujet particulier, individuel, qui connaît la souffrance, qui connaît la mort, bref, le Christ incarné. Alors, cette affaire-là, de l'incarnation de l'universel, donc de l'incarnation de cette exigence d'universalité traversant l'histoire de bout en bout, donc de principe, mais incarné dans une singularité historique, c'est ce qui va, c'est de travailler la pensée européenne, et une fois qu'a débordé le plan religieux, dans l'histoire. Enfin, Hegel, le grand homme. Le grand homme, c'est l'incarnation individuelle de l'universel historique. Le fameux Napoléon à cheval. Et après, la Prusse, pas l'État prussien. L'État prussien, donc, incarnant singulièrement l'universel de l'histoire. Ce qu'a repris Marx avec le prolétariat. Le prolétariat incarnant dans sa singularité historique d'une classe particulière le destin de l'histoire du monde. Et c'est ce qui s'est trouvé aussi à l'œuvre. Vous évoquez le compte à faire des erreurs passées, eh bien, l'assignation universelle que s'est cru être l'assignation européenne portant la valeur du monde. C'est l'histoire récente, n'est-ce pas, d'une culture qui pense
incarner en elle les valeurs universelles, ce qui a été le cas de la culture occidentale, disons, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à notre inquiétude présente, parce qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes devant cette situation nouvelle de ne plus pouvoir croire que nous portons les valeurs universelles. Alors, il faut d'abord réfléchir un peu sur ce cas de composite, pour ne pas dire chaotique. Vous voyez, ce qui n'est pas une histoire, ces plans successifs au travers desquels s'est constituée cette pensée universelle. Et peut-être c'est parce que l'Europe a une histoire en fait si composite que l'universel est pour nous si important. Des cultures beaucoup plus centrées, beaucoup plus homogènes, n'ont peut-être pas le même besoin que nous, dans la tradition européenne, si hétérogène, eh bien, d'instaurer cette sorte de clé de voûte qui est pour nous l'universel, faisant tenir tous ces pans divers que j'évoquais si rapidement, l'invention du concept, la citoyenneté, disons, répandue pour tous, maxima, ou l'histoire du salut. Donc, je crois qu'il faut être conscient de cette hétérogène au travers desquelles s'est construit, s'est bâti, n'est-ce pas, par couches successives, cette pensée de l'universel. Alors, il y a une question qui vient pour nous, et qui est nouvelle, que les générations précédentes en Europe ne se posaient pas, puisqu'elles pensaient que la culture européenne portait l'universel historique de l'humanité, qui est de savoir s'il y a des catégories ou des notions universelles. Je ne serai pas long sur ce sujet parce qu'il est plus proprement philosophique, mais je me suis posé cette question parce que je suis helléniste et sinologue, je suis passé de Grèce en Chine, donc j'ai choisi de passer en Chine pour voir la pensée européenne du dehors. Parce qu'on dit nous sommes héritiers des Grecs, oui, bon, mais que savons-nous de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti? Donc j'ai fait le choix de sortir de l'héritage grec, auquel je suis attaché bien sûr en tant que philosophe, pour aller voir ailleurs et revoir de cet ailleurs chinois eh bien, la pensée européenne. Donc, prendre du recul dans mon esprit et, à partir de là, me poser cette question de savoir s'il y a des... Ce que dit la philosophie, est-ce qu'il y a, effectivement, comme le dit la philosophie, des notions universelles? Tant qu'on reste dans la philosophie européenne, on lui dira que oui. Et il y a un texte fameux sur la philosophie en Europe, celui de Kant, dans La raison pure, où Kant établit des catégories de l'esprit, qui sont ce qu'il appelle des concepts souches, Stammbegriffe. Concepts souches, donc, catégories universelles, d'avant toute expérience. Il y aurait donc, comme il dit, dans tout entendement humain, des catégories qui seraient les mêmes, nécessairement, par principe. Unité, pluralité, substance, causalité, existence, non-existence, bon, il en dresse 12 comme ça, en disant ce ne sont pas des catégories de langue, ce sont des catégories de pensée. C'est-à-dire que tout esprit humain a en lui une sorte de grille préalable qui est une grille d'universalité. Est-ce vrai? Kant ne songe pas qu'il pense en langue, dans une langue, qui est le latin allemand, comme Descartes pense en latin français. Mais une fois qu'on a quitté la langue européenne, est-ce qu'on peut être assuré qu'il y a ainsi des catégories universelles? Ben, moi, je serais resté dans le cadre de la philosophie européenne, j'aurais cru que oui. Et quand j'ai lu, dans ma jeunesse, cette table des catégories anciennes comme concept universel, bon, je n'ai pas, disons, éprouvé de doute à cet égard. J'ai commencé à l'éprouver quand je suis passé dans la langue chinoise, que j'ai pris ce recul vis-à-vis de la culture philosophique européenne, en me demandant si ces catégories étaient encore pertinentes dans un cadre culturel comme celui de la Chine. Et là, ce n'est plus sûr. Ce n'est plus sûr. Par exemple, la causalité, que Kant décrit comme étant une catégorie, c'est-à-dire un concept souche, c'est-à-dire un concept universel d'emblée, par prescription, de nécessité, mais on voit que la pensée chinoise a pu penser le monde sans recourir à la causalité. Non pas à l'explication, mais à l'implication. Penser le monde non pas en termes de cause et d'effet, mais de facteurs, de vecteurs, bref, de souffle en interaction, etc. Même deux concepts que j'aurais cru imbougeables,
nécessaire, logiquement nécessaire, s'imposant a priori à nous, comme existence et non-existence, quand je passe en chinois, j'en suis plus sûr. D'abord parce qu'il n'y a pas en chinois le verbe être au sens existence. Je suis ou je ne suis pas. To be or not to be. On peut dire je suis ici, mais on ne peut pas dire je suis. On dira il y a moi, je me trouve là, mais pas le je suis, le einai des Grecs, le to be, n'est-ce pas, que nous connaissons si bien. Donc, existence, non-existence, cette obéissance-là, que j'aurais cru logiquement, nécessairement universelle, passant dans une autre langue, me faisant sortir de l'indo-européen, je n'en suis plus sûr. Donc il y a quelque chose là qui doit nous ébranler, non pas pour nous faire renoncer à l'universel, mais pour nous montrer que l'universel n'est pas ce molle oreiller sur lequel je pourrais appuyer ma tête, paresseusement, mais que l'universel est devant nous. Il est en chantier, il est à produire, il n'est pas déjà donné. En tout cas, je ne suis plus sûr qu'il y ait des catégories universelles. Alors ça nous pose la question, qui est celle qui, je pense, va animer tous vos débats, savoir est-ce que la notion d'universel est périmée ou pas ? Cette question-là, on ne peut pas l'éviter aujourd'hui. Alors là, je voudrais introduire une distinction entre un universel que je pense périmé et un universel que je pense qu'il faut activer. Donc je vais dissocier les deux pour essayer de faire passer le couteau, n'est-ce pas, tranché, donc, pour distinguer un universel qui, je crois, effectivement, est périmé par l'histoire, et puis un universel qu'il faut, au contraire, reconfigurer, reconstituer, pour le défendre et l'activer. L'universel qui me paraît périmé, c'est l'universel de totalisation. Celui que je mettrais volontiers sur le terme universalisme. J'ai un soupçon à l'égard de l'universalisme. C'est-à-dire à l'égard de cette attitude qui fait croire qu'on a tout. On a tout. Qu'on a mis la main sur le tout. Comme les Grecs, déjà, au début de la philosophie, voulaient mettre la main sur le tout. Quand on pense qu'on a tout, on ne soupçonne pas ce qui manque à ce tout. Ça a été très bien rappelé en commençant. On a eu un siècle ou plus de suffrage universel sans les femmes. Ça s'appelait universel, pourtant. Donc, je me méfie de l'attitude universaliste qui pense qu'on a atteint le tout, qu'on a mis la main sur le tout. J'en ai pris comme exemple, comme illustration, le retable des frères Van Eyck dans la belle ville de Gand. Retable fait de petits morceaux comme ça, mais mis ensemble et présentant une image de l'universel de totalisation, celui donc que je vais récuser. Il y a Dieu, mais Dieu figurait de façon qu'on ne sait pas vraiment si c'est le Père ou le Fils. Et puis la Vierge et Jean, et puis Adam et Ève sur les côtés, en haut, toujours du retable, non pas Adam et Ève pécheurs, mais Adam et Ève portant le destin de l'humanité. Et puis en dessous, la foule du monde entier, venant de tous les horizons et convergeant vers l'autel de l'agneau mystique. Puis derrière, il y a une ville dont on ne sait pas vraiment si c'est Jérusalem ou la ville de Gand, n'est-ce pas, qui est comme ça, dans ses murailles. Voilà l'image universelle de totalisation qui me paraît périmée. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse avoir un tout enfin réuni et qui serait sans manque, qui serait, disons, complètement abouti. Qu'on aurait atteint les limites du possible et qu'on les aurait englobées. Cet universel de totalisation me paraît suspect. Et donc l'universalisme qui s'appuierait dessus me paraît inquiétant. Je penserais universel sous la figure inverse. L'universel, c'est le souci de ce qui manque aux totalités données. C'est-à-dire, quand je crois voir tout, qu'est-ce qui manque à ce tout ? Donc un universel non pas de complétion, de totalisation, de satisfaction, mais un universel d'inquiétude. Un universel rebelle. Rebelle, c'est-à-dire résistant à cette tendance si facile, si naturelle, à croire qu'on a tout, qu'on a atteint le tout. Non, cette inquiétude qui fait qu'on rouvre les totalisations constituées, qu'on les rouvre, qu'on les remet en chantier. Là, il y a quelqu'un qui a très bien pensé cela. J'évoquais Kant il y a 5 minutes à propos de la distinction entre l'universel fort de nécessité et l'universel faible de généralité.
l'un a priori, l'autre empirique. Mais Kant nous fournit un bel outil à cet égard. Quand il nous dit, il distingue l'universel constitutif et ce qu'il va appeler l'universel régulateur. Pas au sens de régulation au courant aujourd'hui. Régulateur, c'est-à-dire qui est une règle conduisant la recherche. Donc un universel qui n'est jamais satisfait, mais qui laisse la raison en chantier, qui garde la raison en chantier. C'est la distinction chez Kant entre le concept et l'idée. L'idée kantienne, l'idée de la raison, n'est jamais satisfaite. Elle est une exigence qui n'est jamais remplie de connaissances. Mais c'est une exigence qui nous maintient en inquiétude, en recherche, qui fait qu'il y a un infini qui est, comme ça, jamais satisfait. Donc cette idée d'un universel régulateur, c'est-à-dire réglant la recherche, tenant la recherche en suspens, de sorte qu'elle n'est jamais satisfaite, qu'elle n'est jamais comblée, qu'on n'a jamais tout, me paraît une idée précieuse pour penser à l'universel aujourd'hui. Universel, donc, régulateur. Et pourquoi j'y tiens? C'est par rapport au commun. J'évoquais le commun dans son ambiguïté, commun qui dit l'horizon d'un partage, intégrant, mais indiquant ce partage par un horizon qui peut se retourner en frontière d'exclusion. Donc le commun ne cesse d'être travaillé par l'idée d'intégration pouvant se renverser en exclusion des autres, de ceux qui ne sont pas intégrés. Comment donc maintenir le commun ouvert? Comment maintenir le commun de sorte qu'il ne se renverse pas en communautarisme, qui est son contraire? Mais je dirais, c'est grâce à l'universel. Grâce à l'universel comme idéal, non pas comme déjà acquis, déjà atteint, universalisme satisfait, mais comme idéal qui ne cesse de chercher. Donc, idéal jamais satisfait. C'est ce statut donc d'idéalité de l'universel, non pas une idéalité comme ça, détachée du monde et qui serait une sorte de fioriture, ou non, l'universel qui fait travailler, qui est ce qui maintient, qui nous maintient sous pression, qui nous maintient sous tension de ne pas nous satisfaire des totalités acquises et de continuer à vouloir les ouvrir, à les déployer, bref, à ne cesser de repousser l'horizon en renonçant à toute satisfaction. Donc, universel régulateur, c'est-à-dire réglant la recherche. Vous me suivez? Non, j'essaie, si vous voulez, de nettoyer un peu le terrain après vos débats, mais pour savoir avec quoi on travaille. Qu'est-ce qu'on a dans les mains, si vous voulez. Parce que sinon, on est dans le bavardage, on peut s'opposer des... Non, je crois qu'il faut aller précisément pour... Et c'est le rôle de la philosophie, c'est d'aménager des outils. Donc, ces outils, je le résume, un universel d'une histoire très composite, c'est même une histoire, mais formée de plans divers, il faut en être soucieux, le concept, la loi, le salut, c'est pas pareil. D'autre part, une question foncière de la philosophie classique, est-ce qu'il y a des catégories universelles? Tant qu'on reste dans la langue européenne, on croira que oui. Quand on en sort, ce n'est plus sûr. Donc ça remet la raison en chantier. Et puis, la scission que je propose entre deux universels, un satisfait d'universalisme, où on croit voir le tout, et puis un autre, au contraire, qui s'affirme par déclôturation de ce tout, par ouverture à un plus ample, donc à franchir les frontières de notre satisfaction, de notre totalisation, pour, disons, reporter plus loin l'horizon. Donc un universel, non pas molle oreiller sur lequel la tête peut se reposer, mais universel, oui, d'horizon, qui ne cesse, n'est-ce pas, de se retirer et qui nous fait avancer. Alors, ayant dit ça, commence la difficulté. Quel universel des droits de l'homme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas me défiler devant cette difficulté, mais essayer de lui donner forme. D'abord parce qu'on sait ce qu'il y a de singulier historique, dans l'affaire des droits de l'homme. La déclaration de 89, texte, comme on sait, bâclé, non fini, constamment réécrit. Donc, caractère singulier de cette inscription historique des droits de l'homme. Les droits de l'homme, on le sait bien, sont inconnus de l'Antiquité, relèvent de la pensée classique,
et d'abord de Hobbes, l'idée de la liberté comme droit naturel unique. En même temps que ce texte malvenu fait rédiger à la hâte la fameuse déclaration des droits de l'homme de 89, est un texte souche. Ce texte souche. On a cessé de réécrire. On l'a réécrit, donc il n'était pas définitif, mais on a cessé de le réécrire. Donc, il est texte souche, texte justement qui ne cesse de travailler, qui ne cesse de faire avancer. On sait d'autre part qu'il y a une idéologie des droits de l'homme. Il y en a aujourd'hui une autre qui prend de plus en plus d'ampleur, que je vois notamment se déployer en Chine, qui est celle contre les droits de l'homme de l'harmonie. On dirait que les droits de l'homme ont fait effraction. On séparait l'homme de la nature, notamment droit de l'homme. On séparait l'homme de la nature, donc on introduit une sorte d'effraction dans le cosmos par un statut humain détaché du reste des vivants. Et vous savez comment la pensée chinoise a monté cette machine de guerre contre les droits de l'homme au nom de l'harmonie, n'est-ce pas, de l'équilibre, bref. Il y a là, alors évidemment, l'harmonie qui ne veut pas d'harmonie. Donc c'est très habile parce que c'est une construction de guerre, si vous voulez, contre les droits de l'homme, mais alors harmonieuse. Donc, qui ne veut pas de l'harmonie? Bon, donc il y a tout cela en arrière-plan. Et alors, quel pourrait être l'universel des droits de l'homme? C'est la question que je voudrais hâtivement évoquer. Je pense qu'il y en a d'abord parce que ce qui fait la force des droits de l'homme, c'est leur force de concept, justement. C'est un concept. Un concept, c'est un outil. Un outil, c'est maniable. Un outil, ça passe de main en main. Un outil, ça passe de langue en langue. Donc, il y a là un effet de concept que l'harmonie n'a pas, par exemple. Un effet de concept qui fait que les droits de l'homme se constituent en outils, parce que justement, c'est cette forme logique, n'est-ce pas, que j'évoquais, le concept, donc son abstraction, qui fait que les droits de l'homme étant abstraits, ce qu'on leur reproche, néanmoins, reste que cette abstraction permet de traverser la diversité des situations historiques, de traverser la diversité des situations culturelles, parce qu'il y a cette abstraction. Cette abstraction, donc, a une commodité de transfert. Est-ce suffisant? Non. Mais il y a d'abord cette fonction de concept qui me paraît importante à penser parce que c'est celle qui font que les droits de l'homme sont un outil. Un outil qui peut se décoller, se détacher d'une certaine époque, d'un certain milieu, d'une certaine culture et passer dans d'autres milieux, d'autres cultures, d'autres époques. Reste une question de fond. La légitimité des droits de l'homme viendrait-elle seulement du fait qu'un mode de vie occidentale, née du développement à la fois de la science et du capitalisme, a fini par s'imposer dans le reste du monde et qu'il est donc désormais nécessaire, ou fatal, d'adopter l'idéologie des rapports humains, à la fois sociaux et politiques, qui vont de pair avec cette transformation. Vous voyez, dans ce cas-là, l'universel des droits de l'homme ne se distinguerait plus de l'uniforme. Ou bien, cette légitimité des droits de l'homme viendrait-elle de ce que la pensée européenne, qui a porté les droits de l'homme, exprime effectivement un progrès historique, et donc de ce que, à l'instar du développement de la science à partir du début du XVIIe siècle, et contemporaine cette science du développement des droits de l'homme, les droits de l'homme constitueraient un gain pour l'humanité qui, comme tel, ne se serait produit effectivement que dans la seule Europe, mais qui vaudrait pour toute civilisation, comme la science, s'est répandu de par le monde à travers toutes les cultures. Mais alors, dans ce cas-là, au nom de quoi jugera-t-on un tel progrès si ce n'est déjà au sein d'une culture particulière qui est la nôtre? La difficulté, vous voyez, c'est de sortir d'une justification idéologique des droits de l'homme. C'est la difficulté. Alors, je vais essayer de m'y attaquer. Je dis essayer parce que l'affaire est difficile. D'abord parce que les droits de l'homme revendiquent une universalité. Pardon. Oui, ça va comme ça? Oui, parce que je commence à m'animer, donc je bouge la tête, c'est normal. Voilà. Parce que l'affaire devient complexe. Les droits de l'homme revendiquent l'universalité comme absolu. Alors, peut-on penser cet absolu des droits de l'homme? Je dirais, pour aller très vite, si les droits de l'homme n'ont plus un statut absolu, ils ne sont plus.
mais alors quel absolu ? Ou comment concevoir cet absolu ? Parce que si ce n'est plus l'absolu, c'est du relatif. Et si on relativise les droits de l'homme, où s'arrêtera-t-on ? Alors cela a été fait, bien sûr. Pensez à toutes les tentatives de l'UNESCO, notamment, pour adapter les droits de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est adapter les droits de l'homme ? Ou pour en trouver des équivalents. Pensez à tous ces colloques de la fin du XXe siècle. Ou pour les circonstancialiser, les contextualiser. Il me semble que si on fait cela, donc on les relativise, ces droits de l'homme ne sont plus porteurs d'absolu, donc ils ne sont plus. Et je me défierai aussi des propositions contemporaines d'universel pluriel, c'est-à-dire le S rajouté à universel, ou d'universel dédié, c'est-à-dire particularisé, que je pense être des formes rabattues, un peu désespérées de l'universel des droits de l'homme. Alors je voudrais donc me séparer de ces possibilités-là ou de ces chemins-là pour y être pensé à nouveau frais, en ayant constaté l'hétérogénéité de l'avènement des droits de l'homme, en ayant constaté qu'il n'y a peut-être certainement pas de catégorie universelle, donc de concept premier, concept souche de tout esprit humain. Essayez néanmoins de penser ce que pourrait être cet absolu, qui d'abord se fonde pour moi dans un effet d'opérativité et de radicalité. Ces deux aspects du concept, donc d'efficacité. Donc d'efficacité. Opérativité, c'est le fait du concept, ce qu'ils sont, ils peuvent se détacher du milieu d'origine, se transférer, ils peuvent passer de main en main, ils peuvent passer justement de nos mains aux mains des opprimés qui ont invoqué les droits de l'homme contre les Européens. Ah, voilà, c'est commode, ça passe de main en main. Les concepts sont comme des outils. Radicalité, parce que c'est l'homme en tant qu'il est né. C'est que l'homme détaché de tout contexte, droit de l'homme, n'est-ce pas ? L'expression anglaise, human rights, déjà le perd un peu. Mais l'idée qu'il y a effectivement qu'on peut détacher l'homme de tout le reste. Alors peut-être qu'on rompt une harmonie, oui. Mais en même temps, on peut, comme ça, le penser détaché de tout ce qui l'entoure. Mais l'essentiel pour moi n'est pas là. Alors, vous savez qu'il y a l'affaire si débattue. Une tentative a été récemment, et portée par des esprits intelligents, je pense à Marcel Gaucher, de dire qu'il y a au fond un minimum, qu'on pourrait penser les droits de l'homme selon un minimum, minimum intangible, et puis au-dessus de ce minimum, il y aurait des couches supplémentaires qui seraient plus culturelles, plus idéologiques, et qu'on pourrait donc, comme ça, relativiser. C'est ce que dit bien Marcel Gaucher quand il dit... Il parle d'un point pragmatique minimal permettant à des gens très divers de se réunir dans la lutte contre les dictatures, despotismes, tyrannies et totalitarismes en tout genre qui fleurissent sur la planète. C'est dans la démocratie contre elle-même. Donc, un point pragmatique minimal. L'expression est intéressante parce qu'il s'agit d'un point, ce n'est pas large, c'était un point pragmatique, c'est pour œuvrer, pour travailler, pragmatique, c'est à l'œuvre, minimal. Donc, il y aurait un minimal de droits de l'homme qui serait donc le corps solide, disons, de leur affaire, et qui permettrait, alors, bien voir à quoi servir l'homme, à dire non, à résister. Je trouve cette possibilité intéressante, mais je m'en sépare aussi, parce que je ne sais pas où fixer la séparation entre le minimum et ce qui n'est pas minimum, ce qui serait au-dessus. Comment définir ce qui serait... le minimum irréductible, le noyau dur, en quelque sorte, de ce qui viendrait ensuite recouvrir ce noyau et, disons, l'épaissir, mais aussi le diluer. Ma proposition, j'ai à dire en deux mots, c'est que je pense que les droits de l'homme se conçoivent selon deux côtés, ou deux facettes. Une facette positive, une facette négative. La facette positive des droits de l'homme, c'est la facette, disons, de croyance, d'adhérence. C'est le credo universaliste, c'est le credo des Lumières, c'est le contrat social, c'est le bonheur sur la Terre, etc. Bon. Et donc, évidemment, lié à une certaine figure de l'individu bourgeois tel qu'il s'est déployé, tel que cette figure s'est déployée à l'époque des Lumières. Je ne vois pas au nom de quoi nous voudrions imposer aux autres cultures ce credo des droits de l'homme. Ce sont mes valeurs, j'y tiens, je me bats pour elles, mais pourquoi voudrais-je que tout le monde
y adhère. Donc ce versant positif est un versant d'adhésion. Moi, j'y adhère. Je ne vois pas au nom de quoi imposer cette adhésion à d'autres. En revanche, il y a un versant négatif. Et je crois que ce versant négatif des droits de l'homme est plus ample, va plus profond que le versant positif d'adhésion. Le versant négatif, c'est le versant du refus. Vous l'avez inscrit au tableau, contre, n'est-ce pas ? Et je pense que le contre va plus profond que le pour. Donc il y a une dissymétrie en jeu. Le contre, c'est plus au nom de quoi ? C'est le contre qui fait réagir l'humain en moi. C'est celui de l'inhumain. L'inhumain. Si on tue quelqu'un parce que son fils a volé une pomme, je pense que tous les hommes, là, réagissent, non pas au nom de valeur, au nom d'un credo, au nom d'une adhésion, mais au nom de quoi ? L'inhumain. C'est-à-dire que l'humain réagit en moi et dit non. C'est ça. L'humain réagit en moi et dit non. C'est donc pas un jugement, jugement de valeur, c'est une réaction face à ce que j'appelle l'abject. L'abject abjecere, ce qu'on jette. Donc il me semble que ce côté négatif de refus est plus ample, va plus profond, creuse, plus, nous branche davantage en profondeur sur l'absolu que le versant positif d'adhésion. Donc il y a une dissymétrie. Une dissymétrie. Je voudrais en donner un exemple. J'ai été amené en 2008 à accompagner Jean-Pierre Raffarin en Chine à propos des droits de l'homme. C'était au moment où la flamme olympique passait par Paris. Vous vous souvenez que ça avait l'affaire du Tibet, donc la flamme avait flambé, et les intérêts français commençaient à être menacés, d'où le président de l'époque a envoyé une délégation en Chine pour essayer de renouer le dialogue. Et donc je suis allé en Chine avec un texte en français et en chinois pour essayer de faire passer l'affaire des droits de l'homme devant mes interlocuteurs chinois. À propos du Tibet, où il y avait un enjeu donc vif, ce n'était pas un enjeu comme ça imaginé. Et je leur ai rappelé, pour essayer de trouver un pont à cette affaire des droits de l'homme, leur évoquer Mencius, donc grand penseur de la tradition chinoise. Mencius, et le début du Mencius, donc ce livre de pensée chinoise du 4e siècle avant notre ère, l'époque d'Aristote, si vous voulez, et qui nous dit ceci, qui nous raconte l'histoire d'un prince qui demande à Mencius, est-ce que vous pensez que je suis porté à la morale ? Et Mencius lui dit oui, et lui raconte une histoire, celle qu'un jour ce prince, voyant un bœuf tiré au sacrifice, voyant l'air apeuré du bœuf, dit « relâchez-le ». Alors les gens qui font le sacrifice lui disent « on va abandonner le sacrifice ». Il répond « non, mettez un mouton ». Alors quand Mencius raconte ça, le prince est gêné parce que, comme s'il était pingre, qu'il avait préféré mettre un mouton plutôt qu'un bœuf. Mais Mencius dit non. C'est parce que vous avez vu le regard apeuré du bœuf, vous n'avez pas vu le mouton. Le mouton, c'est resté comme ça une idée. Et à partir de là, il dit ceci. Quiconque voit un enfant sur le point de tomber dans un puits va faire un geste pour le retenir. Il rajoute, qui ne fait pas ça n'est pas homme. Ce n'est plus une définition positive de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Définition toujours idéologique, c'est qui ne fait pas ça n'est pas homme. Donc c'est l'inhumain qui définit l'humain. C'est le rejet, pas l'humain, c'est le rejet de l'inhumain, non plus au nom de valeur, mais au fond, du fait que l'humain se révolte en moi contre l'inhumain, qui fait, n'est-ce pas, cette force négative des droits de l'homme, à mon sens. Alors, je voudrais dire encore un point avant de me sauver. Néanmoins, je ne parlerai pas des droits de l'homme comme universels. Je proposerai un concept d'universalisant. Non pas universalisable, mais universalisant. Je pense que les droits de l'homme sont une proposition historique, parce qu'inclus dans l'histoire, à titre, donc je dis universalisant, c'est-à-dire que ce n'est pas l'universel défini, abouti, définitif. Non, c'est l'universel en chantier. Ils sont une figure, un énoncé d'universel, plutôt un énoncé porteur d'universel, vecteur d'universel, ça j'entends par universalisant, opérant dans le sens d'universel. Un universel qui n'est jamais atteint, jamais défini, je l'ai dit, universel à titre régulatif, donc conduisant indéfiniment la recherche, mais les droits de l'homme sont des universalisants, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans le sens de cet universel jamais abouti,
à titre de vecteur, de facteur, n'est-ce pas ? Ils le portent, ils le promeuvent. Universalisant et non pas universalisable, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une question de vérité, c'est une question d'opérativité. Donc universalisable, c'est un terme important de la raison, notamment chez Habermas dans le rationalisme contemporain, mais non, ce n'est pas indexé sur la vérité, les droits de l'homme, c'est en termes d'opérativité, il y a cette capacité qu'ils ont acquise par la sortie conceptuelle, par leur exigence absolue, d'être vecteur, facteur d'universel, travaillant en ce sens et travaillant sans fin, sans fin. Donc sans forme aboutie, sans universalisme défini, mais ne cessant de repousser plus loin l'horizon. Merci de votre attention.